pense pas manger des raclettes alors que c'est trop bon. Et du coup, flemme de tout préparer et tout. Je vais me faire des pâtes et un steak haché. Je suis en train de faire à manger. Je vais faire mon manger préféré. Et j'ai mis mon peignoir. J'aime trop. Je vous jure, je me languis trop d'avoir froid. Ça me manque d'avoir froid. Et là, il fait un peu frais. Donc, j'ai mon peignoir de Primark. Je les aime trop. Oh my god. Je regarde les 50. Et franchement, chapeau à elle parce qu'elle nous a tiré une balle en plein cœur. Oh! Oh my god. MDR. On dirait Teresa Mendoza. Mais je les aime trop. Mais bébé, je voulais vous parler de la box Zucker Box pour découvrir des nouveaux bonbons. En fait, c'est une box qui a 1€ le premier mois. Après, ça passera à 14,90€ et vous serez prélevé au bout de 7 jours. Et en fait, vous pouvez découvrir plein de bonbons. Je vais vous mettre quelques vidéos. Donc, il y a plein de marques de bonbons à découvrir. Il y a les bonbons Haribo, les bonbons Choupa Choups, les Carambars. Vous avez une surprise à chaque fois. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment, c'est sans engagement. Je vous mets le lien en swipe up. Le bébé, comme ça fait longtemps, je ne me suis pas calée sur mon canapé en regarder la télé. Et ça, c'était un truc que je faisais très souvent avant. Et là, c'est vrai que j'ai le temps de plus rien. Je vous jure, là, vraiment, je suis très fatiguée. Vraiment, je le ressens. En ce moment, je ne m'arrête pas, je ne me suis pas arrêtée. Le tournage, c'était dur. Je suis très fatiguée. Et là, je vais faire mes ongles. Parce que là, j'avais fait tout court. J'ai enlevé toutes mes capsules et tout. Ça, c'est mes ongles naturels. Pour que Emilie, elle me les repasse bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait me faire les ongles. Genre là, j'aime pas. J'aime pas quand c'est court. Et j'aime que le baby boomer. Mais pas tout le monde sait faire le baby boomer. Soit tu m'as ramené Nougatine, soit tu rentres pas chez moi. Nougatine! Non, j'aime pas. J'aime que les nougatines, j'en ai plus. Kinder Bueno, j'aime pas, j'en ai. Nougatine. Bouffonne. Qui t'a dit de venir chez moi? Qui t'a dit de venir chez moi? Non, 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 arrête, arrête, je rigole pas. Arrête, lâche-moi. Arrête, t'as pas intérêt de faire ça. Qui t'a dit de venir chez moi? Qui t'a dit de venir? Non, non. Tu peux la crème devant, t'es pas loin. Ouais, je suis très énervée. Mais qui t'a dit de venir chez moi? Qui t'a dit de venir chez moi? Qui t'a dit de venir chez moi? C'est moi, je me retrouve enfermée dehors. Ouvre! Ouvre, j'appelle ma mère. Ouvre, j'appelle ma mère. Aidez-moi! Ouvre. 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 Oui. Tiens. Allez, ouvre. On est déjà... Mais trouver quelqu'un à Marseille qui fasse mieux les ongles que Amy. Il n'y a personne. Ils sont parfaits. Regardez le baby boomer, comment il est parfait, comment ils sont fins. Elle est trop forte. Bon, après, moi, j'aime que baby boomer, mais elle fait plein d'autres choses. Je vais vous montrer. Et les filles, Amy, elle fait aussi les formations. Et franchement, c'est la meilleure. Donc, allez vous faire former chez elle. Parce que, elle est trop forte. Mais vraiment, moi, il y a quelqu'un qui me fait mes ongles. Ils sont parfaits. Regardez, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques.
Alors là. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va très bien, je me suis levée un petit peu en retard, j'avais rendez-vous ce matin. Là je suis vite en train de me préparer. Je vais m'occuper de mes cheveux aujourd'hui. Donc là je me suis levée il y a une heure. Je sors de la douche, j'ai pris mon petit café au lait. Et là je vais m'habiller, je ne vais pas maquiller, hein. Je vais y aller comme ça. Et je vais aller à mon rendez-vous. Attention, je monte. Les gratelines, regardez l'épaisseur. Ensuite, j'utilise la palette purple de chez My Wagon & Lucci. Et je vais utiliser la teinte agate. Celle-là, elle est trop belle. De base, je vais mettre le fard warm, celui-ci. C'est la palette Too Faced. Donc là, j'ai mis le fard warm. Et là, c'est le fard agate de My Wagon & Lucci. Et du coup, je viens en rajouter sur le coin externe et je viens estomper pour foncer. C'est trop beau quand je mélange les deux, j'aime trop. Avec un beau trick liner. Regardez. Donc là, j'ai fini de faire mes yeux, j'ai fait mon trait de liner et là je mets l'anti-cerne, le meilleur au monde, le Tarte. Il est incroyable, je l'adore. En même temps ça va me nettoyer le dessous des yeux, je l'aime trop. Oh, je vais tout tomber moi. Et là je viens l'estomper, il est incroyable. Et là quand j'estompe, je monte bien ici genre. Et tirer mes yeux. J'aime trop me maquiller. Regardez la différence. Et là, je vais venir appliquer mon bronzer, faire mon contouring avec, comme ça. J'en mets sur le front et sur ma jawline. Regardez ce côté. J'ai utilisé la poudre lime My Wagon & Lucci. Elle est incroyable. J'utilise la teinte Tara, c'est la teinte la plus foncée. Regardez, il y a un ressort. Et elle est trop bien. Donc là, c'est pour fixer l'anti-cerne. Et donc là, je vais l'appliquer au niveau du dessous des yeux. En fait, là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Pour fixer l'anti-cerne et le matifier. Elle est trop bien. Parce qu'elle assèche pas le dessous des yeux. Et là, je remonte bien. Et moi, je mets pas de crayon sous les yeux. Moi, ça m'étire bien les yeux. J'en mets un peu ici. Et sur le menton. Voilà. Après, j'estompe. C'est le blush My Wagon & Lucci. Et donc là, je vais appliquer mon blush. Hop là, ça donne tout de suite bonne mine. J'aime trop le blush. Vraiment bonne mine et je tire, je crois. Il est trop beau, il est rose orangé. Et là aujourd'hui, je peux pas mettre d'highlighter parce que pour les ITV, je brille trop. Voilà. Et un peu sur le nez. Voilà. Et là, je vais faire mes lèvres. Mon crayon préféré au monde, c'est le crayon caramel, il s'appelle. De We Make Makeup et en fait c'est une collab que j'ai fait avec My Wagon & Lucci. En fait, je me tourne à l'heure avec. Il est trop beau. Hein.
Et là, ce que j'aime trop faire, pour faire un peu naturel, c'est que une fois que j'ai mis mon crayon, je mets du labello sur mes lèvres. Là, et ensuite, j'estompe le crayon. Je trouve que ça va être trop beau. Mes bébés, j'aime trop mon huile pailletée de chez Maeva Genalucci, elle sent le monoï. Pouvoir en mettre pour bronzer, pouvoir en mettre après la douche, dans vos jambes pour briller. Regardez la brillance. Oh, je l'aime trop et puis elle sent tellement bon. Elle sent le monoï. Je l'aime de tout mon cœur. Mes bébés, elle tâche pas. Donc même si vous en mettez et que vous vous habillez en blanc, ça tâche pas. Et puis en plus, mes bébés, c'est une huile qui tâche pas. Donc même si vous vous habillez en blanc, vous pouvez en mettre. Et là, regardez, j'aime trop, je brille de mille feux. Et juste pour vous montrer qu'elle ne tâche pas, regardez, j'en ai plein les mains. Ici, c'est blanc. Et vous voyez, ça tâche pas. Mes bébés, j'ai passé la journée chez le coiffeur. Donc là, je suis en train de me faire poser les extensions. Et du coup, j'en ai profité pour faire un soin de chez une amie Bloss, donc j'ai ramené chez le coiffeur. Donc j'ai enlevé toutes mes extensions, j'ai voulu faire ça sur tous mes cheveux. Et du coup, une amie Bloss a aussi la marque de complément alimentaire que je prends. Donc, parce que je fais une cure pour faire pousser mes cheveux, pour redonner du volume, de l'éclat à mes cheveux. Et ça marche trop bien, c'est à base de bochy, de zinc. Vous avez de la vitamine C, B5, B8, B9, E, A, D et B12. Donc là, c'est une cure de 60 gommises. J'en prends 2 par jour, en plus ils sont trop bons et j'en prends tous les matins. Et je vous jure, je vois vraiment le résultat. Là, il a commencé à me poser de ce côté. Mais par exemple, vous voyez, ça, c'est mes vrais cheveux. Vous voyez là, je vois bien le résultat, parce que mes cheveux sont bons quand même. Donc ça, c'est le soin que j'ai fait, donc je vais ramener chez mon coiffeur. Il l'a fait, il est vraiment trop bien. En fait, c'est un soin qui répare les cheveux en profondeur, donc de la souplesse, de la brillance aux cheveux. En fait, vous mettez, vous faites votre shampoing, vous mettez, vous laissez poser pendant entre 15 et 30 minutes. Moi, j'ai laissé poser 30 minutes parce que comme j'ai enlevé toutes mes extensions, j'ai voulu faire un soin bien profond. Et du coup, regardez la brillance de mes cheveux. Voilà, par exemple, dedans, c'est ma mèche. Là aussi, regardez, c'est mes vrais cheveux. Regardez la souplesse de mes cheveux. Il est incroyable. C'est un soin indien et il répare les cheveux en profondeur. Moi, ça fait un moment que je connais la marque Miami Gloss et ça fait peut-être 3 mois que j'utilise leurs produits. J'en suis complètement fan parce que j'ai entendu que du bien et maintenant je suis trop fière parce que je collabore avec eux. Et vu que j'ai réussi à avoir une collaboration avec eux, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Et franchement, allez-y parce que leurs soins et leurs gommes pour faire pousser les cheveux et tout, et ben, ils sont trop bien. Regardez le bébé, vous voyez ça, c'est mes vrais cheveux. Et regardez la brillance et la souplesse. Moi, je vais vous montrer sans plus. Le bébé, depuis 11h du matin, je suis pas prêt. J'en veux plus. Il est 18h, donc ça fait 7h. Et ça fait 7h que je suis avec toi, mon Lolo. On s'en passe pas. Ouais. Mais je suis trop contente. Allez, on finit ? Allez. 7h. Bientôt fini, on a fait la moitié de la tête déjà. Oh my god, le résultat. Regardez l'épaisseur. C'est trop beau. Je vous jure, je ressemble à une poupée. Il est fait mieux que mon coiffeur de Dubaï. J'aime trop. Je suis amoureuse. Oh là là. Oh my god, le résultat. Regardez l'épaisseur. C'est trop beau. Je vous jure, je ressemble à une poupée. Il est fait mieux que mon coiffeur de Dubaï. J'aime trop. Je suis amoureuse. Oh
Oh là là. Je suis vraiment trop belle. Moi aussi, des cheveux roses. C'est comme elle, bah. Je ressemble à une poupée. Ah oui, oui, une poupée aussi. Mais bébé, je suis trop contente. Regardez où je suis. Je suis dans la boutique à Paradjan. Vu que j'étais à côté, donc je suis venue récupérer des bijoux. Parce que j'en ai plus. Coucou. Et là, du coup, elle va me faire une belle parure et tout. Ça va être trop bien. Je vais reprendre des boucles d'oreilles et tout. J'aime trop. Attendez, je vais vous montrer. Déjà, la boutique, elle est trop belle. Regardez mes bébés. La boutique, elle est trop belle. Elle est à la Valentine. Et il y a plein de choix. C'est trop beau. J'aime trop. Du coup, elle va me faire une compo de collier. Elle va me personnaliser un collier. J'ai vu des nouvelles boucles d'oreilles parce que les boucles d'oreilles à Paradjan, ça fait 6 mois, je les mets tout le temps. Je les adore. Alors que j'ai des Tiffany & Co. et tout, ben, je préfère les à Paradjan.